Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein. Allez, à ce soir. Les envahisseurs, avec... Michael, 39 Paris, je sais pas dans quel ordre je suis. Dans le rôle de David Vincent. Ça fait longtemps qu'en fait, ils nous ont envoyé des messages et qu'on les suit pas. On est en train de tout défoncer la planète. Ludovic, tu crois qu'ils veulent sauver la planète pour les humains ou pour eux? Pour la récupérer eux? Expliquez-moi. Vous avez pas compris qu'on n'a pas bien agi? Mais ils s'en foutent. Bah non, ils s'en foutent pas. Mais non, parce que c'est pour eux. Ils feraient toutes les découvertes qu'on a faites depuis 70 ans. Qui te dit pas qu'ils vivent ici, que tu les vois pas? Alors ça, en fait, c'est tout à fait probable, étant donné que ils travaillent génétiquement pour pouvoir, via une thérapie génique, si tu veux, mélanger nos deux ADN, en fait, quoi. Et se mélanger à nous. Hein. Par exemple? Mais ils existeraient sous forme microbienne, en fait, tu vois. Déjà, dans... J'ai cru comprendre que c'était des êtres microscopiques, en fait. Ah bon? Mais non, mais moi, voilà, je te dis, moi, les théories que j'ai lues récemment et qui m'ont fait vraiment halluciner, quoi, parce qu'ils avaient relié ça au Covid. Ils expliquaient donc que, on nous injectait une thérapie génique pour nous injecter ce truc-là, en fait. Tu vois, que là, ça y est, c'était le moment, quoi. Tu sais pas? Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Maurice Radio Libre, c'est bizarre.